magnifique, ça. Ça, c'est pour vous accueillir. C'est pour vous accueillir. C'est la musique de l'étudiante. Bravo, bravo. J'avais pas le buzzer sous la main, mais bon. Alors, là, il y a de quoi faire. On commence avec la nouvelle de l'année. C'est assez sérieux, d'ailleurs. Oui. C'est une loi. C'est Slate qui a relaté cet événement. On va regarder quelques images. La Chine oblige légalement désormais les enfants à rendre visite à leurs parents. Puisque il y a de plus en plus de parents abandonnés, enfin de personnes âgées abandonnées par leurs enfants en Chine. Donc depuis le 28 décembre, vous êtes obligés de rendre visite régulièrement. Alors il ne précise pas ce que veut dire régulièrement à vos parents sous peine d'amende. C'est voilà. Incroyable d'être obligé de... Pour vous occuper de vos aînés. Voilà. Mais c'est important. Alors qu'on fait ça, on fait ça régulièrement ici, en Afrique. L'aîné a une place privilégiée. Savoir qu'il y a une loi en Chine... Oui, c'est ça qui est tragique. C'est quand même assez tragique. Ensuite, Laura. Ensuite, on continue avec la bonne nouvelle. En 2013, Wikipédia. Vous qui n'êtes pas très connecté, vous connaissez quand même Wikipédia. Oui, c'est le site... C'est devenu mot de commun désormais. Voilà, si on a besoin d'un renseignement sur un sujet. Et on peut même apporter quelques éléments pour améliorer... Devenir contributeur, exactement. Voilà. Parce que vous êtes sur Wikipédia, Olivia est sur Wikipédia, de nombreuses personnalités sont sur ce site. On va regarder quelques images. La bonne nouvelle, c'est que Wikipédia va pouvoir continuer à vivre sans publicité. Puisque la force de ce site, qui est le 5e site le plus consulté au monde, c'est d'être absolument sans publicité. La consultation des articles est entièrement libre et ça fonctionne par donation. Donc ils ont fait une des plus grosses levées de fonds. En 9 jours, ils ont récolté 25 millions de dollars grâce aux donateurs. Puisque il y a 150 personnes qui travaillent pour Wikipédia seulement de manière très officielle, mais les serveurs coûtent très cher. Voilà, j'ai même lu qu'on pouvait, si on a des infos sur un sujet, participer à l'élaboration Mais après, c'est vérifié par d'autres contributeurs dont c'est le métier de vérifier si vous ne mettez pas des informations erronées sur les événements ou les personnes sur Wikipédia. On continue. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas, mais c'est assez étonnant. Zlatan. Oui. Le célèbre buteur du PSG. Alors on en entend beaucoup parler, il y a des jeux, il y a des sites internet, mais désormais le mot, regardez quelques images, le mot zlatané rentre dans le dictionnaire suédois. Zlatané. Oui, parce qu'il est suédois. France, alors le dictionnaire suédois cite que c'est bien en France qu'a été inventé le mot zlatané, qui veut dire se charger de quelque chose avec vigueur, dominer. Et en suédois on dit jag zlatanera. Voilà, c'est comme ça que je Zlatan, c'est Jacques Zlatan est rare. Et il a failli avoir le prix Goncourt en Suède avec ses mémoires. En plus, oui. Je vous promets qu'il sorte en France, là, chez Lattès, au mois de février, mais il a failli avoir le Goncourt. Ouais. C'est fou, cette histoire. Bon, avoir son nom dans le dictionnaire, c'est comme avoir sa statue au musée Grévin en France. Hein. Son verbe. Bécarisé ou bécarorisé, vous imaginez le jour où vous allez avoir bécarorisé, ça. Bécarorisé, c'est pas mal. Hein, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Donc on continue avec une application inutile, plus ou moins, mais que tous les jours, il y a des milliers d'applications qui sont mises en vente ou en ligne, que vous pouvez télécharger. Celle-là m'a amusée, c'est une application qui fait danser votre smartphone. Vous allez voir quelques images tout de suite. Donc le principe, grâce au vibreur intégré à votre téléphone, il danse au rythme de la musique et surtout, il peut filmer à 360 degrés grâce à cette application qui coûte moins d'un euro. Il tombe pas, moi je sais pas comment. Ah, mais non, justement, c'est la magie. Vous ne saviez pas que votre téléphone pouvait tenir comme ça. Ah, je vous ai rejoint. Sur la tranche et danser au rythme de la musique. Ah, mais ça, je mets psy. Ça fait des très beaux panoramas. De psy et je mets l'iPhone en marche. On a repoussé les limites là. Vous êtes à fond psy, vous. Ça y est, celle-là, vous n'avez pas pu la louper sur Internet, vu le nombre de vies. Et on termine avec une application intelligente, enfin un système intelligent. C'est des stickers Bluetooth que vous allez pouvoir coller sur vos objets. Ça, on va voir quelques images également. Ça s'appelle Stick and Find pour 35 $. Vous collez ces petits capteurs Bluetooth sur tous les objets que vous avez envie de retrouver et que vous perdez régulièrement. Vos télécommandes, vos clés. Et grâce à une application, vous pouvez repérer où se situent tous ces objets dans votre appartement. C'est génial, ça. Ça se commande sur Internet et ça coûte que 35 $. C'est-à-dire donc sur tout objet ou sur le collier du chien éventuellement, non? Sur votre femme, sur votre mari, sur vos maîtresses. Ça va lui faire plaisir. Il n'y a que 20 stickers, donc attention.
20 stickers, ça va être un peu juste. Ça va être juste pour vous, c'est pour ça que... Ça va être un peu juste. Merci beaucoup. Je trouve des moyens de vous intéresser au web. Ce n'est pas toujours facile. Je m'y mets progressivement, je vous promets, Laura. Merci, à bientôt.